re tout le monde pour ceux qui viennent de regarder l'épisode 4 et bonjour aux nouvelles personnes qui n'avaient pas vu l'épisode ou qui l'ont vu il y a un petit moment. C'est Capitaine Flamme, nous sommes à l'épisode 5 de la... Oh là là, il y a un creeper. De la série Capi dans le Jurassique. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va lancer notre première analyse. Et on va essayer de tuer le puisque j'aime pas avoir... de la TNT mobile au-dessus de ma maison. Bah, allez, descend. Bon, il veut pas venir, on va aller le chercher. Creeper rebelle. Saloperie. Bon, ça va, j'ai pas subi grand-chose. Et il m'a pas cassé rien du tout. Donc, on va lancer l'embryon que je sais pas où il est. Ah bah, il est là. On va lancer les biofossiles, voilà. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Hein. Vous jure, vous imaginez pas à quel point ça bouffe les ressources ce truc. On va ranger un petit peu parce qu'on a pas mal de boxons. Ça. Ça c'est pas cool, c'est pas cool. Les autres on s'en fout, on s'en fout. Il faudrait que. Ouais ben avec, je vais me faire l'enclos. Donc l'enclos, on va faire ça ici. On va faire quelque chose d'assez grand. Hein. Parce que je vous jure, vous imaginez pas comme ça, mais la taille des dinosaures quand ils arrivent au maximum, c'est assez monstrueux. Dès hein. qu'ils arrivent aux alentours des 10-11 jours, ils atteignent à peu près leur taille maximale. Et je vous jure que... Faudra vraiment que je fasse une petite vidéo hors série pour vous montrer la taille maximale des dinosaures, mais je vous jure, je sais que je me répète, mais c'est vraiment monstrueux. Le tyrannosaure, quand il est niveau enfin, maximum, il fait juste, oh, je sais pas moi, 15 fois notre taille à peu près. On va faire ça jusqu'ici. Donc en fait le truc que j'ai trouvé pour faire des enclos assez pas pratique mais enfin si quand même pas très pratique, ce que je fais c'est je les enfin je creuse de 2 ou 3 couches et la couche tout en dessous je fais une vingtaine de blocs sur une vingtaine de blocs à chaque fois et sur la dernière couche de à ma hauteur je mets des barrières comme ça il y a une hauteur de 4-5 blocs donc le dinosaure a peu de chances de pouvoir sortir et on va creuser ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 oh merde ça a raté donc, je vais aller vous montrer ce que ça fait quand c'est raté. Ben, il s'est tué tout seul. Ça a pété le cultivateur, bien sûr. Je dois en refaire un. Il me reste 12 biofossiles. En fait, non. Il faut pas tant que ça. Je pensais qu'il faudrait plus. On a besoin de ça. On a besoin d'un cactus free. On va aller chercher ça. On va replanter avec ses potes. Voilà. Et après on relancera une nouvelle analyse. Et toi tu te casses. Tu me fais ça. Voilà. Et puis après. Donc comme je vous avais dit, quand ça pète, en fait, ça fait de l'eau. Et quand ils sont enfoncés, ben, la bestiole que je vous ai dit que quand on ratait ben, ce qui se faisait, ben, ça inonde déjà pas toute la pièce puisque ça reste dans le trou. Et la bestiole en fait elle s'étouffe toute seule dans le mur donc on est assez tranquille à ce niveau là. Donc on va refaire un cultivateur. Par contre j'ai oublié de reprendre de la flotte, ils ont mon seau là. Ça, on peut le ranger maintenant. On prend la flotte. Voilà. Alors, le cactus là. La flotte au milieu.
le fer en dessous. Et les glaçons le côté, voilà. Un cultivateur, on le remet. On refout le biofossile, l'ADN. Et on est reparti. Ça va, j'ai des pelles de rechange. Donc il me semble qu'on s'était arrêté à 17. Ouais, je pense. On va faire jusque 20, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, 18. Non, 17, ça me semble pas mal. Ouais. Ça, c'est bien. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est pendant que ça fait l'analyse, je vais la laisser. Si jamais ça refoire, ben... merde, elle s'est cassée. Le truc, c'est que j'ai pas envie que vous me voyez couper du... enfin pas couper, mais pelleter dans la terre pendant 20 minutes, ça va pas être très intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que l'analyse termine, et quand elle sera terminée, si elle se réussit, je ferai une avance rapide, soit je couperai et je vous reprendrai quand j'aurai terminé. On va aller voir où en est l'analyse en parlant de ça. Non, je vais d'abord péter ce qu'il y a de dur. Ici. Donc voilà, pour le mieux dans les enclos, il faudrait avoir toujours un sol en herbe. Le mieux, c'est de faire une petite étendue d'eau, mais je sais pas si ça change grand chose, mais enfin je sais pas, de ce que j'ai pu tester, apparemment ils préfèrent quand il y a un peu d'eau. Et il faudrait aussi que je fasse faut que je mette l'abreuvoir. Ils peuvent bouffer quoi, le feeder que ça s'appelle, et un arbre ou deux, enfin ça dépend, parce que quand ils sont super grands en fait, ben, l'arbre ça les gêne pour se déplacer, donc je sais pas, j'hésite encore à ce niveau là. Et je sais, ben, en général faut pas, enfin quoique, oh non, elle a encore raté. Je vais pas arriver à temps pour vous montrer ce que ça fait. Non mais c'est encore foiré hein. Elle veut vraiment pas réussir. Oh putain, ça m'a bouffé tous mes trucs. Ah là là. Ils veulent vraiment pas que l'aventure... Stégosaure, ouais. Bon, ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être m'autoriser à... si je jette ça, peut-être me donner un os directement, parce que ça va mettre des années, alors avant que vous voyez un dinosaure, je ferai ça juste pour le premier, je vous promets. Alors, stégosaure, un os de stégosaure, voilà. Parce que si je fais pas ça, ben on va mettre juste 3 ans d'avoir un dinosaure, et ça va pas être très intéressant. Je voulais juste en faire un pour vous montrer, et le reste, ben on le fera au fur et à mesure, hein. C'est pas trop grave ça. Ce que je vais faire, c'est je vais couper la vidéo aussi et je vous reprends quand j'aurai terminé de tout creuser. Donc à tout de suite. Et donc me revoilà, je viens de terminer à l'instant l'enclos pour vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Donc j'ai plus que à mettre l'eau ici dans les sortes de conduits tout autour. J'ai mis une petite dizaine de minutes à tout creuser. L'eau elle est où? Là. Il faut que je refasse quelques torches aussi, parce que les dinosaures n'aiment pas le sombre, étonnamment. Voilà. Alors notre source infinie, elle est où? Elle est là. On prend un peu d'eau. Je me suis crafté deux petites échelles. Donc on va éliminer un peu ça.
Donc ce qu'on va devoir faire aussi, ben on va devoir créer un feeder, que ça s'appelle. C'est une sorte d'abreuvoir, comme je vous ai déjà dit, mais plus pour la bouffe. Donc une sorte de garde-manger en fait pour les dinosaures qui ont qu'à aller dessus pour se nourrir. Et c'est comme nous, ben, si on ne mange pas, eh ben on meurt. Donc ce que je ferai peut-être plus tard quand le dinosaure il va grandir un peu. Je devrais peut-être rajouter des barrières tout autour pour éviter qu'ils sortent, mais je pense pas que ça va être nécessaire avant de le poser. Enfin, quand ils vont finir de mettre de l'eau. De toute façon, tant que c'est pas le soleil, ben, il chauffe pas. Hein. Enfin, il ne comment. Comment dire, je sais pas comment on dit ça. Il va pas grandir l'œuf. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ah merde, il n'y a pas assez. Oh, je vais devoir faire encore je sais pas combien d'allers-retours. Mais bon, c'est pas grave. Donc il me semble que le stégosaure, c'est un herbivore, mais je suis pas sûr. Donc niveau bouffe, ben, on va devoir faire cultiver des... mon avis, du blé. Hein, pour faire du pain, il devrait bouffer ça niveau herbivore. Non, pas là. Et on en refait un aller-retour. Et niveau bouffe, bah, il bouffe la même viande que moi. Donc je vais devoir farmer le cochon à mon avis. Peut-être me faire un grand enclos et les faire reproduire. Voilà, encore un. Donc le temps qu'ils grandissent, bah, je vais aller créer le feeder. Et laisser grandir pendant que moi je vais faire le feeder et mettre un peu de bouffe dedans. Mais normalement le stégosaure n'est pas hostile, donc il devrait pas m'attaquer, sauf si je tape dessus. Et même si je tape dessus, je suis pas 100% sûr qu'il va m'attaquer. Donc à ce niveau là c'est pas trop grave. Bien, je saute dans l'eau, je me casse une jambe. Super. Donc encore une fois, je suis désolé d'avoir été obligé de me give l'œuf, mais c'est vraiment, c'est juste pour vous que je fais ça. Moi je voulais bien encore attendre et tout, mais c'était juste pour pas que la série stagne un petit peu, que vous voyez un petit peu à quoi on va arriver. Et, mais je vous jure que c'est la première et la dernière fois que je vais cheater de l'aventure, sauf peut-être si j'ai un T-Rex, comme je vous ai dit, pour faire... le contour de son enclos. Là je vais être obligé de mettre des blocs de fer parce que sinon il va être beaucoup trop grand et il risque de tout casser et il va foutre toute la saison en l'air parce que c'est si je bah, il est limite intuable en fait, le T-Rex, tellement il est énorme. Moi perso, même en créative, j'ai dû mettre une quinzaine de coups d'épée en diamant avant de le tuer, donc je pense pas que maintenant en survival j'arriverai à faire ça. Donc voilà l'enclos, à quoi il va ressembler. Normalement tout va redevenir vert, ça va être pas mal. Ce que je devrais peut-être faire, c'est foutre un arbre avec des fougères. Voilà, je crois que je vais faire ça. Est-ce que j'ai des fougères ici? Il me faut de la bonne mille, ça j'en ai en cargaison, voilà. Et des pousses d'arbres, il me semble qu'il y en a ici. Voilà, il y en a une là. On va mettre ça à la place de ça. Ouais. Là c'est bien mis. Et merde, l'arbre il est pas comme j'aimerais bien qu'il soit. On va le couper, on va en remettre un autre. Ce que je vais peut-être faire, c'est je vais faire pousser un étage plus haut. On va l'aider à se désagréger, sûr qu'il nous donne au moins une pousse. Hein. Voilà. Quitte
quitte à rajouter moi-même le tronc, je préfère que ce soit un grand arbre, parce que comme je vous ai dit, quand le dinosaure il grandit, bah, il devient vraiment énorme et il se cale dans les arbres et il peut mourir à cause de ça. Je crois que dans l'épisode 0, je vous ai montré, pour expliquer un peu ce qu'on allait faire de la saison, bah, j'ai eu ça en fait. Le dinosaure, bah, il s'est coincé dans le... Voilà, ça c'est nickel. Je vais rajouter le dernier bloc moi-même. Voilà, on va en remettre un ici peut-être. Elles sont les pousses. Là. Il est un peu plus petit. Moi je pense que ça devrait pas déranger. Je crois que les stégosaures ils peuvent aller jusqu'à 3 cases de hauteur maximale. Je pense pas qu'ils peuvent aller plus haut. Par contre, je vais devoir attendre que ce soit de l'herbe verte, parce que sinon je peux pas le poser dessus. On va poser, voilà. Merde. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Donc là, j'ai pas le Dinopédia pour vous montrer, mais normalement, quand on clique dessus avec le livre pour les dinosaures, ben, on le voit grandir. Par contre, je vais devoir faire une petite ellipse, parce que j'ai oublié la recette du feeder. Donc on se dit à tout de suite et je vous reprends juste après. Me revoilà, j'ai trouvé la recette. Alors il va nous falloir, déjà je vais devoir refaire fondre deux de sable pour me faire un petit peu de comment ça s'appelle, de glace. Voilà. On va pas mettre autant parce que je vais devoir faire fondre aussi de la cobble. Là, on va se vider un peu l'inventaire parce que là je suis plein de chez plein. Prendre un petit peu. Il me faut 4 de stone. Non, un peu plus parce que je vais devoir faire. Voilà. Je vais devoir faire un bouton. 4 de stone, un seau, ça je l'ai. Et 2 de fer, ça je l'ai aussi. On va attendre. Donc je sais pas comment je vais encore, comme je vous l'ai déjà dit, je sais pas comment je vais remplir le feeder pour le moment, mais bon. Je peux mettre tout ce qui est mangeable en fait par l'agriculture. Donc les pommes, le pain, on va prendre celui-là, les œufs, je pense. La viande, ça je vais mettre aussi. La viande de zombie, je sais pas, mais on va prendre quand même. On va ce qu'on a. Il a toujours rien analysé de bien. Est-ce que j'en avais pas trouvé des nouvelles? Non. C'est pas trop grave. Voilà. Donc alors, on va faire non, un bouton ainsi. Alors on le met là. On dispose ça ainsi. Le bucket. Tac. Non, ça c'est au milieu. Et tac, tac. Voilà, on a un feeder. Je sais pas exactement la traduction en anglais. Ah, ça y est, il y a notre dinosaure. Parfait, il était vite, c'est bien. On va mettre ça là. On va lui mettre un peu de bouffe. La pomme. Les œufs, il prend pas. Un peu de viande. Ça, merde, il bouffe pas la rotten flèche. Ça non plus. Est-ce que ça, il bouffe? Non. Ça, oui. La citrouille, non. Coucou. Et je crois qu'il peut se nourrir en fait en bouffant ce truc là. Mais je suis pas sûr à 100%. Mais il me semble que ça intervient dedans. Parce que s'ils font des plantes archéologiques, ben c'est que ça doit servir à quelque chose. On va peut-être faire ces plantes et encore un arbre. Merde. Voilà. On fait sauter. Il est pas très grand. Très grand, pardon. Mais bon, ça va. Ça ira. On plante ça là. Voilà.
Comment tu vas, petit? Regarde, y a un truc pour bouffer, toi, là-bas. Carte. Je sais pas s'il va le voir, en fait. Bon, ben, il a pas envie. C'est pas grave. Donc, voilà le premier enclos de notre stégosaure. Je sais pas, j'ai peut-être une idée. Quoique non, aussi, on va essayer de se faire. On va creuser encore une fois. Je sais bien aujourd'hui, on va créer pas mal de choses. On va se faire un petit champ en fait. Donc il me faudrait des pelles. Est-ce que j'ai des pelles? Non. Là non plus, mais il y a un peu de bois. Alors on va faire des sticks, on va se faire des pelles. Voilà. On va en faire deux, ça sert toujours de toute façon. Mon œuf, j'ai creusé ça ici. Ouais, je crois que je vais encore faire ça en off parce que je crois pas que vous en avez quelque chose à foutre de me voir creuser encore une fois. Donc, je vous dis à dans... Bah, pour vous, une seconde, mais moi, une petite, à mon avis, 5-6 minutes, le temps de creuser tous, et on se retrouve. Et nous revoilà, voilà, j'ai terminé de creuser notre champ. Par contre, on n'a plus de seau pour l'irriguer. Donc, on va aller en créer un. On va irriguer tout ça et on arrêtera l'épisode pour aujourd'hui et demain. Enfin, quoique non. Je vais le retourner comme ça. Je vais pouvoir aller dormir et demain je saurai quand je ferai un autre épisode. Ou la prochaine fois que je vais devoir trouver des graines en fait. Déjà commencer pour ce qu'il y a ici. Bon, j'en ai déjà une. Non, il n'y a rien. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Si j'aurai un petit peu de graines en fait avec toute la bonne mille que j'ai, je vais pouvoir déjà en faire un petit peu. Pour la replanter bien sûr, hein, mais... Voilà. Voilà, ça devrait être pas mal avec toute la bonne mille et tous les os que j'ai encore en réserve. Je devrais normalement bien m'en sortir. Voilà. On va se faire une houe. Alors, ça, on va la faire en cobble, hein, je m'en fous. De toute façon, on va pas le faire beaucoup de fois. Par contre, j'ai plus de cobble. On a ici. Donc, concret. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Ça, on peut le garder. Bon, par contre, je vais commencer par là-bas au fond, parce que sinon, je vais me retrouver dans une position pas trop facile. Alors, faire tout à l'envers, ça peut être très malin. On illumine un petit peu, parce que je sais pas si vous saviez, mais plus il y a de la lumière, plus vite le blé y pousse. Ainsi. Par contre, il me semble que dans une dernière mise à jour, il y a un truc qui nous oblige, enfin qui ne nous obligeait plus justement à marcher en sneak sur les champs, mais bon, je le fais par habitude. On va commencer ici. 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suis déjà à 12. À mon avis, cette technique-là, ça va monter assez vite. Ouais, à mon avis, à chaque fois que j'entends ce bruit-là, c'est, je suis presque sûr qu'il y a une grotte en dessous, juste en dessous de nous. Alors, on en remet. On va aller voir où il en est lui. Coucou.
ça. Il me dérange ce bloc-là. Voilà. Ça me fera un peu de bouffe pour le dinosaure. Faudrait que j'aille surveiller assez souvent parce que ça bouffe pas mal, je pense. On va aller en rechercher. Il me semble que j'en ai encore pas là. Voilà. Alors, les os. Bim, un stack complet. Oh, on va garder les 29 ici, ça sert toujours. Désolé de pas beaucoup parler, mais bon, c'est pas très intéressant ce que je fais, hein. Je vais pas commenter, genre... Alors oui, il pousse, il met en terre les graines, il les fait grandir à une vitesse fulgurante, on dirait un gaulois avec sa potion magique, carrément. Et il saute dans l'eau pour ramasser la dernière graine. Et oh là là, il recommence. C'est un peu ridicule. Encore cette ligne droite-ci, à mon avis je pourrais le faire encore une fois après. Voilà, je vais avoir à peu près un stack de graines, c'est ce que je voulais. Ok, je vais même le faire encore une fois. Allez, voilà. Et voilà. Donc, je crois qu'on va avoir assez. Je verrai bien au fur et à mesure pour s'il n'y a pas trop de comment de enfin s'il y a assez, s'il n'y a pas assez de production, bah j'élargisserai le champ par là à mon avis, voire en profondeur, je sais pas, on verra bien. Mais bon, pour le moment ça me semble pas mal. On aura pas mal avancé dans cet épisode, c'est bien. Ah bah regardez, le dinosaure est déjà grandi. Donc il a déjà passé son premier jour. Par contre il a un cri vraiment bizarre. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce que la bouffe elle baisse? Je vais mettre un petit peu. Voilà. T'auras à bouffer. On a un stack quand même de blé, mais on va le garder. Parce que j'en ai pas trop l'utilité pour le moment. Et l'autre. Je crois qu'il a assez de bouffe, on va laisser tranquille. Par contre, le prochain enclos, je regarde vite fait parce que je sais pas où est-ce que je vais le faire. Bon, ici à mon avis. Par contre, je vais devoir raser tout ça. Ouais, enfin, on verra bien. Il va falloir déjà que je retrouve des grottes pour recommencer à faire des recherches pour trouver des fossiles. Parce que maintenant je ne peux plus cheater comme je vous l'ai déjà dit. Et par contre il y a le verre là, je vais juste poser. Voilà, comme ça ça va grandir. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Capi dans Jurassic. Salut à tous.